bonjour aujourd'hui, c'est le 19 juin et je voudrais lire dans proverbes, chapitre 12, verset 11, celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des réalités sans valeur manque de bon sens. cultiver son champ, c'est très important et je voudrais partager avec vous, parce que nous sommes en train de parler, de la grâce, la sagesse et les paroles et aujourd'hui je voudrais donc parler de cette sagesse, la sagesse que dieu nous a donnée pour cultiver notre champ. Jésus, quand il parle de, de cette réalité spirituelle qu'il appelle la moisson, il dit dans Jean 4, 35 :« Ne dites-vous pas qu'il a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis levez vos yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Donc, ce que Jésus voulait dire, c'est que ça, le blé commence à exploser. Il est le, le temps d'aller à, à la moisson. Jean chapitre 4, c'est le contexte, c'est cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine et ce ministère qu'il a eu parmi les samaritains. Car Jésus rentre dans un village de Samarie. Pour les juifs, il n'était pas question d'aller dans un village samaritain. Et, et j'imagine leur surprise de voir que Jésus veut contacter, veut être en contact avec ces samaritains. Et il dit ici que la moisson est déjà prête. On est insensé quand on ne reconnaît pas, quand on n'a pas la sagesse pour voir, pour voir que la moisson est prête et qu'il faut y aller. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Le temps passe très vite pour ceux qui nous entourent, pour nous aussi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec la joie, dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant des gerbes, ces gerbes. Peut-être que le sac est lourd. Hein, dans cette version très intéressante. Peut-être que c'est dur parce que c'était dur quand même d'être agriculteur à cette époque-là en Palestine. Mais la joie vient à la moisson. Dieu a préparé une moisson incroyable pour chacun de nous. Mais pour cela, il faut avoir ce, cette sagesse divine pour aller cultiver son terrain, le terrain que Dieu nous a donné. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. La moisson ici, c'est un combat. C'est vrai que parfois nous partons en pleurant, mais nous revenons avec la moisson. Nous revenons avec les résultats. Quand on est en contact avec les gens, quand on sème la parole de Dieu et qu'on voit le changement dans la vie des gens, et d'ailleurs dans notre vie aussi, il y a une grande joie qu'elle a. Nous avons eu la, la joie au mois ma de mai de baptiser six personnes de notre église dans le golfe de Gascogne. Vous pouvez d'ailleurs regarder euh, euh, ce baptême euh, dans, sur notre groupe, euh, sur, notre, sur cette chaîne YouTube. Je l'espère bientôt. Et en fait, c'est une joie immense. Il y a beaucoup de larmes quand on entend ces témoignages. Ce témoignage de ces gerbes, n'est-ce pas? De ces gerbes qui ont été cueillies pour le Seigneur et qui témoignent de la transformation que Dieu fait dans leur vie. Combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile nous semons d'un même cœur, c'est-à-dire que nous sommes unis dans cette, dans cette mission qui est la nôtre. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants, dit Paul dans 1 Timothée 4:10. Paul fait face maintenant au dernier moment de sa vie, dernier mois, euh, année, mais peut-être même mois. Et il sait que c'est un combat, c'est très dur et dit que nous avons travaillé euh, durement et en fait nous avons été insultés. Ils ont passé par des persécutions, par des choses difficiles, mais Paul persévérait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était dans la moisson du Seigneur, dans la mission importante de, de jeter la semence dans le cœur des gens. Nous avons mis notre espérance en lui. Donc, que, quand le Seigneur nous envoie dans la moisson, il nous donne aussi la sagesse dont on a besoin pour d'ailleurs voir l'importance de cette mission et pour pouvoir ensuite persévérer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage tous les jours à partager votre foi, à semer, à jeter la semence dans le cœur de gens qui vous entourent et que le salut rentre dans votre maison. Que Dieu vous bénisse.